Ne nous quittez pas, car nous allons maintenant avoir une... Merci, infiniment. Alors, oui, non, pardon. Vous pouvez me quitter, pardon. Mais en revanche, ne quittez pas la salle, car maintenant, nous abordons une séquence plus brève, mais néanmoins tout à fait intéressante, dont je crois la NPP est familière, qui consiste à demander à un représentant d'un autre pays européen de nous aider à décaler notre regard. Et là, nous allons clore la journée, enfin pas tout à fait la clore, mais la poursuivre avec un regard wallon en la personne de Florence Trum, qui est responsable du développement rural au service public de Wallonie. Alors, j'aurais une question à tiroir à vous poser. Déjà, je trouve que rien que le terme, rien que votre étiquette pour nous est énigmatique. Service public, développement rural au service public de Wallonie. Peut-être que vous pouvez nous situer ce que c'est que le service public de Wallonie par rapport à nos institutions françaises. Et puis, pourquoi développement rural, qui est un terme que nous avons tendance à abandonner. Et donc, vous avez entendu nos débats aujourd'hui chez nous. Donc, on s'interroge beaucoup sur la cohésion des territoires, etc. Donc, ça serait intéressant de vous entendre à la fois nous expliquer comment se posent en Belgique ces questions de rapport urbain-rural. Comment est-ce que vous appréhendez les coopérations entre les territoires et quels usages vous faites de la contractualisation. Et puis enfin, évidemment, on sera très intéressé de connaître un peu le regard que vous portez sur nos débats internes vu de chez vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc voilà, je suis Florence Trum, donc je travaille au service public de Wallonie, donc c'est l'administration qui gère la région wallonne. Donc, on travaille avec les ministres. En fait, je vais commencer par vous faire quand même un petit état des lieux de comment ça se passe, finalement, l'aménagement du territoire en région wallonne. Et je vais essayer d'inclure des réponses et un peu mon regard sur tout ce qui s'est passé ce matin et ce début d'après-midi. Alors déjà, on ne dit pas l'aménagement du territoire en Belgique, ce serait trop simple, puisque, comme vous le savez, la Belgique, voilà, elle est divisée en différents pouvoirs publics. Le micro ne va pas. Comme ça ? C'est mieux ? Voilà, pardon. Donc voilà, nous avons d'abord l'État fédéral, donc c'est toute la Belgique en entier, qui gère des compétences qui sont très importantes, comme les affaires étrangères, la défense nationale et les finances. Ensuite, nous avons les communautés, donc la communauté flamande, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la communauté germanophone, qui va gérer des compétences qui sont liées à la langue, comme la culture et l'enseignement. Les deux micros. C'est parce que ça... Comme ça ? Ça va ? Bon. Attends, je la mets plus. Ensuite, nous avons trois régions. Donc la région flamande, la région wallonne, enfin elle, et la région de Bruxelles-Capitale. Et là, les compétences de la région wallonne, ce sont des compétences qui sont dans le domaine qui touchent à l'occupation du territoire au sens large du terme, comme l'agriculture, le logement et évidemment l'aménagement du territoire. Donc l'aménagement du territoire est une compétence en région wallonne. Donc les lois en Flandre, donc au nord du pays, vont être différentes, mais évidemment, quand même, il y a des choses qui se ressemblent par rapport à celles du sud du pays. Alors, je vous dis aussi maintenant que le plus petit découpage en termes de pouvoir public en Belgique, c'est les communes. Donc, la région wallonne en compte 262. Voilà. Alors, ce qui nous anime un peu dans les administrations de la région wallonne en ce moment, c'est que nous avons un nouveau gouvernement. Il est là depuis moins d'un mois, donc on connaît enfin nos nouveaux ministres. On avait voté au mois de mai, donc il y a eu une petite période un peu creuse. Et pour vous montrer aussi que l'aménagement du territoire, c'est une compétence qui est forte, qui est stratégique, j'ai simplement cité le portefeuille des compétences du ministre qui a l'aménagement du territoire. Donc il est déjà vice-président du gouvernement wallon, il a le commerce, il a l'agriculture, la formation. Donc on voit que c'est un poste qui est très fort, évidemment, au niveau de politique. Et alors je suis partie... Voilà, je vais faire un petit... Voilà. Donc la déclaration de politique régionale, en fait, ça, c'est le texte de ces nouveaux ministres qui vont dire, ben voilà, quels sont les enjeux, les ambitions pour le territoire wallon en ce moment. Et j'ai fait ressortir un peu, c'est pas des nouveautés, mais qu'est-ce qui revient sur la table en ce moment pour la région wallonne. Vous allez voir, évidemment, il y a plein de choses qui vont se recouper avec ce qui a été dit ce matin. Alors, c'est les trois slides un peu rébarbatifs parce que j'ai sorti des phrases de ce gros texte. Mais bon,
ces trois slides, ça va aller vite, et on fera un résumé à la suite. Voilà, alors, donc, tout d'abord, dans le chapitre consacré au développement territorial, on parle de coordination avec le plan de transition sociale, écologique et les stratégies de développement supracommunal. Ensuite, un point très important, c'est freiner l'étalement urbain, y mettre fin à l'horizon 2050. Il s'agit à court terme de poursuivre les objectifs suivants. Donc on sait que la Belgique est un pays très dense, donc évidemment, chez nous, c'est ça qui est le plus important pour le moment. Donc on veut réduire la consommation des terres non artificialisées en la plafonnant d'ici 2025, préserver au maximum les surfaces agricoles, maintenir, réutiliser ou rénover le bâti existant, localiser au maximum les bâtiments à construire dans les bâtis existants situés à proximité des services et des transports en commun, ensuite restaurer la biodiversité. Alors ensuite, on a le point de le gouvernement tend à démocratiser l'aménagement du territoire. Il défendra l'application du principe de co-construction impliquant les citoyens dans les projets d'envergure régionale en favorisant la participation démocratique en amont. Il favorisera les mêmes démarches pour des projets d'envergure au niveau local et supracommunal, via par exemple des budgets participatifs. Ensuite, dans le chapitre 24 consacré aux villes et aux communes, donc il nous dit que pour mieux assurer l'efficacité des services publics, le gouvernement incitera les villes et les communes à développer des politiques supracommunales au niveau de chaque bassin de vie. Un encouragement financier spécifique sera octroyé aux projets supracommunaux. Donc c'est par exemple qui rend des pourcentages de subsides plus intéressants pour des projets qui sont faits sur plusieurs communes. Il va encourager la gouvernance territoriale par la coopération des communes au sein de bassins de vie. Il va mettre en place une véritable politique intégrée des villes, faisant appel aux compétences liées à l'aménagement du territoire et à celles liées aux programmes régionaux de rénovation et revitalisation urbaine. Cette politique intégrée comportera un volet relatif à la politique de mobilité, à la lutte contre le réchauffement climatique, à la préservation de la biodiversité, au renforcement de la nature en ville et de la qualité de l'air, et à l'amélioration du cadre de vie des habitants. Donc on voit que l'aménagement du territoire est vraiment au carrefour de toutes les compétences qui sont porteuses d'avenir et de transition. Ensuite, le gouvernement wallon va veiller à préserver et développer la ruralité, qui constitue un élément essentiel au bon équilibre territorial. Il faut savoir que pour le moment, nos communes, donc nos 262 communes, sont classées selon un indicateur qui est calculé selon des statistiques en rural, semi-rural et non-rural. Cet indicateur, il tend à s'effacer parce qu'on dit qu'il n'y a pas une ruralité, il y a des ruralités. Là, les frontières d'une commune, il y a un continuum. Donc on est en train, tout ça est en train de changer, évoluer chez nous. Et donc on a de moins en moins cette antinomie entre l'urbain et le rural. Donc c'est en train de se fondre en parlant plutôt de zones et de bassins de vie. C'est ce qui est amené dans cette déclaration de politique régionale. Finalement, il encourage les projets supracommunaux, inhérents à une réflexion globale, stratégique et prospective à l'échelle de plusieurs territoires constitués selon une approche cohérente et volontaire. Finalement, j'ai pointé aussi quelques éléments dans le chapitre consacré à la mobilité. Donc, le gouvernement wallon agira également à travers la politique de l'aménagement du territoire pour diminuer les besoins de mobilité. Il veillera notamment à ce que les choix d'implantation des équipements publics, parcs d'activités économiques, logements et commerces soient situés dans un ou à proximité des noyaux d'habitation existants, ruraux comme urbains. Les bassins de mobilité seront définis en lien avec les bassins de vie. Et au-delà du plan 2019-2025, le gouvernement n'entamera pas l'étude et ne réalisera pas de nouvelles voiries et d'extensions de voiries. Donc voilà, vous voyez, évidemment, il y a plein de choses qui seront redondantes. J'ai sorti un peu les mots-clés, mais donc la parcimonie, donc la gestion vraiment parcimonieuse du territoire. On parle de densification, de noyaux d'habitat, de services, de mixité. On parle aussi de coordination, d'intégration de toutes les politiques, de tous les thèmes entre eux. On parle de participation citoyenne. Dans le texte, on parle de démocratisation de l'aménagement du territoire, donc c'est quand même assez fort. Et aussi d'échelle supracommunale via les bassins de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a en région wallonne pour un peu cadrer toutes ces ambitions, tous ces enjeux? On a évidemment des dispositions légales qui est en fait le code du développement territorial, donc on va parler du code ET. Le code ET, il va rassembler les dispositions légales en matière d'aménagement du territoire. Il est relativement nouveau parce qu'il a subi toute une réforme en 2017. Donc l'aménagement du territoire en Belgique, il y a eu vraiment beaucoup de travaux, beaucoup de chantiers par rapport aux textes légaux. Donc voilà. Et on dit que c'est une boîte à outils qui va encadrer l'aménagement opérationnel, l'urbanisme, la politique foncière, les permis et autorisations et la planification.
Donc, en termes de planification, ce code été va offrir en fait 5 outils. Voilà. Donc, ce sont des schémas d'orientation qui vont préciser les grandes directions à suivre, donc, dans lesquelles les politiciens vont s'inspirer, et aussi ça va être des lignes directrices pour les acteurs de terrain pour élaborer leurs projets. Ils devront justifier par rapport à ces schémas d'orientation, est-ce que leur projet cadre bien avec ces schémas. Donc d'abord, on a le schéma du développement du territoire, donc, qui est sur toute la région wallonne. Ça, je vais le développer par la suite. Ensuite, nous avons les plans de secteur. Ça, c'est le seul outil qui est contraignant, qu'on est obligé de suivre. Je vais aussi le développer par la suite. Ensuite, on diminue. On a le schéma de développement pluricommunal, donc qui va organiser le territoire sur plusieurs communes. Le schéma de développement communal, qui va organiser le territoire sur une seule commune. On diminue encore, on a le schéma d'orientation locale qui va couvrir une partie du territoire. Ensuite, on peut ajouter aussi deux guides, le guide régional d'urbanisme et le guide communal d'urbanisme, qui va encadrer la conception des bâtiments et l'aménagement de l'espace public à leur échelle respective. Alors, un petit mot sur les plans de secteur. Donc, le plan de secteur, c'est un outil réglementaire et contraignant. Donc, il va organiser l'espace territorial wallon en imposant les affectations et le tracé des grandes infrastructures. Et donc, ça a été fait entre 1970 et 1987. Et donc, à cette époque, donc, toute la région wallonne a des plans. Et c'était assez novateur à cette époque-là. Bon, maintenant, ça devient un peu plus courant. Et il n'est pas figé. Il y a évidemment des modalités pour réviser ces plans de secteur. Et donc, toutes ces révisions sont formalisées dans le code été, donc dans le code de l'aménagement du territoire. Alors, la difficulté quand on veut réviser le plan de secteur, c'est les compensations. Donc, on parle toujours de l'équilibre du plan de secteur entre les zones destinées à l'urbanisation et les zones non destinées à l'urbanisation. Et ça, le nombre d'hectares de zones destinées à l'urbanisation doit toujours rester le même qu'au départ. Donc, il y a toujours ce problème de compensation quand on veut réviser, par exemple, une zone agricole et dire, ben voilà, là, je vais en faire un zoning. Donc, il faut le faire passer en zone d'activité économique. Et donc, il faut aller trouver ailleurs une zone qu'on va déclasser. Et c'est ça qui est vraiment la problématique des négociations au niveau des révisions de plans de secteur. Alors, ça se présente comme ceci. Par exemple, ici, c'est la ville de Namur. On peut visualiser les cours d'eau, donc c'est la Meuse et la Sambre. Vous voyez, le spot rouge, c'est toutes les zones d'habitat, c'est Namur. Tout autour, les zones jaunes, c'est les zones agricoles. Ce qui est en mauve, c'est zones d'activité économique, évidemment, le long des cours d'eau. Enfin, voilà, ça se présente comme ça et on a des plans comme ça pour toute la région wallonne. Alors, donc je vous dis, il y a des zones destinées à l'urbanisation. Je ne vais pas les citer ici, zones non destinées à l'urbanisation. Et ce qu'il y a de nouveau, depuis 2017, donc avec l'entrée en vigueur du code été, c'est les zones d'enjeu communal. Donc ce sont des zones dans lesquelles l'octroi des permis va être facilité, va être plus rapide. Et en fait, le but, c'est de lutter contre l'étalement urbain. Et donc, ils veulent vraiment dynamiser les centres urbains et ruraux. Ensuite, il y a le même type de zone, mais pour un enjeu régional. Donc là, c'est plutôt soutien au développement économique, qu'il soit d'initiative privée ou publique. Alors, le seul exemple qui existe depuis 2017 pour cette zone d'enjeu régional, c'est pour un parc zoologique. Donc, c'est vraiment de l'initiative privée. Donc, c'est le parc Péridaïsa, qui a plein de prix de l'Europe, peut-être que vous connaissez. Donc, voilà, ça, c'est la seule zone d'enjeu régional qu'il y a pour l'instant en région wallonne. Alors, je passe maintenant donc, au schéma de développement du territoire. Donc, c'est la vision pour la Wallonie, donc un futur souhaitable pour 2050. Donc, ça, c'est un cadre dans lequel les autorités locales devront exercer leurs compétences. Donc, c'était aussi une rénovation, puisqu'avant, on avait le SDER, qui était depuis 1999. Donc, tout ça a été modifié, rénové très récemment en région wallonne. Et donc, il va regrouper les initiatives à mener autour de 4 modes d'action. Chaque mode d'action regroupe 5 objectifs qui conduisent à des principes de mise en œuvre, à une structuration territoriale et à des mesures de gestion et de programmation concrètes. Donc voilà comment ça se présente. Mais moi, au-delà du fond du SDT, je vais plutôt parler de comment il a été élaboré. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est l'implication des acteurs de terrain et des citoyens pour l'élaboration de ce schéma. Donc le schéma qui va vraiment donner la vision pour la région wallonne. Donc c'est important que les citoyens puissent dire un mot, avoir leur avis. Donc d'abord, il y a eu des ateliers qui ont été organisés donc, pour la préparation du diagnostic territorial. Il y a une 15aine d'ateliers qui ont été organisés et tous les acteurs de terrain, les représentants de différents domaines ont été invités. Ensuite, il y a une 2aine phase d'enquête publique à destination de tous les citoyens. Donc les citoyens pouvaient aller dans leur commune pour dire s'ils avaient des avis à donner. Alors il y a une petite vidéo
qui explique un peu voilà, l'implication citoyenne. Je ne sais pas si ça va aller. Il y a le son ou pas ? Alors, je vais faire le doublage. Donc voilà, d'abord, il y avait les ateliers. Donc, c'était pour enrichir le diagnostic. Ce qui est important de savoir, c'est que le diagnostic, il a été fait par la CPDT, Conférence Permanente de Développement Territorial, qui est en fait un regroupement des universités de la région Wallonne. Donc, c'est 3 universités qui ont fait le diagnostic. Ensuite, il y a eu le réseau, le RIE, donc le rapport d'incidence sur l'environnement par rapport à ce diagnostic qui a été fait par un bureau indépendant. L'avant-projet de ce DT a été adopté par le gouvernement wallon et c'est cet avant-projet qui a fait l'objet d'une enquête publique. Donc là, tous les citoyens ont pu dire ce qu'ils avaient à dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une très très forte communication par rapport à ce DT dans le journal, à la télévision. Donc voilà, ils disent, voilà, vous pouvez, c'était la publicité pour les citoyens, allez dans votre maison communale et le conseil communal va rassembler toutes les communications et il va les donner au gouvernement wallon. Voilà. Hop, tac, tac, tac. Donc c'était le petit spot publicitaire. C'est fini, normalement. Voilà. Alors finalement, donc le schéma de développement territorial a été approuvé ici en mai 2019, mais il n'est pas encore entré en vigueur. Alors, le couac, donc ça, c'est plutôt entre parenthèses. En fait, par rapport... Donc, évidemment, ça a mis du temps quand même à l'élaborer. Ça fait 3 ans d'élaboration. Et il faut savoir que la déclaration de politique régionale, donc, qui a été faite par les ministres maintenant, ben, elle est plus ambitieuse que le SDT. Donc, le SDT, il y a des parties qui sont déjà obsolètes alors qu'il a été approuvé en 2019. Donc, voilà. Donc, je discutais un peu avec des collègues. Ils disaient, ben, on ne sait pas trop ce que les politiques vont faire. Est-ce qu'ils vont le mettre en vigueur? Est-ce qu'on va le mettre au frigo? Voilà. Donc, c'est un peu dommage. Mais enfin, le travail, il a été fait et les idées sont bonnes. Alors, ce qui est, donc voilà, je vous ai montré qu'il y avait vraiment une implication des citoyens et des collectivités, des experts de l'aménagement du territoire. Donc, de plus en plus en région wallonne, on voit le développement de stratégies d'information et de participation. Vraiment, ça vient tout le temps, la bonne gouvernance, on parle vraiment de bottom-up. Les citoyens, qu'est-ce qu'ils ont à dire? On les écoute. Alors, c'est une des difficultés, évidemment, des projets d'aménagement du territoire, puisque... tous les partenaires ont souvent des intérêts qui sont différents. Donc, il faut voir comment on peut mettre tout le monde ensemble et que tout le monde soit un peu content sur le projet. Donc, pour ça, l'information et la participation citoyenne s'imposent comme des clés essentielles à la réussite et à la bonne intégration d'un projet. La région wallonne a, pour ce faire, rédigé un référentiel. Donc, ça s'appelle « Des projets d'urbanisme pour renforcer le territoire ». Et dans ce référentiel, il y a un chapitre qui est entièrement consacré à ce développement de stratégies d'information et de participation. Donc c'est plutôt un rassemblement de bonnes pratiques, il n'y a vraiment rien d'innovant, mais c'est vraiment structurer, objectiver et synthétiser toute l'information qui existe pour le bon aboutissement de projets d'aménagement. Alors ce qu'il conseille en premier lieu, c'est de dépasser le minimum requis. Donc le minimum requis, c'est ce qu'il y a dans la base légale, c'est en général simplement une enquête publique. Ils disent qu'il faut vraiment des processus d'information et de participation ambitieux. Donc ne pas s'arrêter à l'information, à la simple consultation, mais aller plus loin vers la co-construction, etc. Alors ce référentiel va développer 4 leviers. Donc il parle de mettre en œuvre des moyens d'information accessibles à tous. Il dit que l'association des citoyens dès le diagnostic du site et la conception du programme est importante. Il faut associer des riverains, les habitants et les futurs utilisateurs à la conception du projet. Ensuite, il faut impliquer les citoyens dans la vie du quartier. Donc de plus en plus, on voit aussi, par exemple, les plateformes numériques pour pouvoir tout de suite mettre des commentaires sur tel ou tel projet. On a de plus en plus des marches exploratoires aussi dans des nouveaux quartiers qui vont être construits, qui se font avec les citoyens, avec les riverains. Donc il y a différentes méthodes, des méthodes test aussi, pour accentuer cette participation et la rendre vraiment effective. Alors, pour finaliser un petit peu, je voulais revenir au point de vue du citoyen. En fait, le citoyen... Parfois, l'aménagement du territoire, ça le dépasse complètement. Et pour lui, l'interlocuteur privilégié, ben, c'est simplement sa commune. Pour lui, c'est simplement quand il doit demander un permis pour construire sa maison ou faire une annexe. Donc, ça se limite à ça. Alors, de plus en plus, du point de vue des administrations, donc où je travaille, on a vraiment un grand chantier qui s'appelle la simplification administrative, donc qui est orienté usager. Donc, l'usager, que ce soit le citoyen, ça peut être l'agriculteur qui doit remplir la PAC, ça peut être une commune qui doit demander un subside. Et donc, on a vraiment...
on travaille vraiment un effort pour informer déjà les citoyens ou les usagers au sens large. On essaie aussi de ne pas avoir trop de paperasse. On commence à travailler avec tout ce qui est formulaire intelligent. Une fois qu'ils ont rempli leur adresse, ben, ça se remplit automatiquement partout, de ne pas demander deux fois le formulaire. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qui sont mises en place au niveau des administrations, qu'elles soient régionales ou fédérales. Donc ça, c'est vraiment le grand chantier sur le moment. Alors, un autre point de vue, c'était le point de vue du citoyen impliqué, j'ai envie de dire, qui est intéressé un peu par l'aménagement du territoire. Ça, en région wallonne, il y a pas mal de choses qui se développent. Déjà, il peut participer et être membre de commissions consultatives. Donc, les commissions consultatives se font au niveau de sa commune. Donc, c'est les CCATM ou les CLDR. Les CCATM, donc, c'est commissions consultatives d'aménagement du territoire et de mobilité. Et les CLDR, c'est commissions locales de développement rural. Alors ça, c'est particulier. Donc c'est pour les communes qui sont en ODR, donc en opération de développement rural. Et donc quand une commune est en opération de développement rural, c'est tout un travail de stratégie sur son territoire dans lequel après va découler un programme de projets donc qui sont vraiment fortement réfléchis. Et ces projets vont pouvoir être subsidiés par le gouvernement wallon. Un projet ne sera subsidié que s'il a été approuvé par la CLDR. Donc pour qu'un projet soit subsidé par le ministre, il faut qu'il soit approuvé par la commune, par le collège des échevins et le bourgmestre, et aussi par la CLDR. Donc ici, la participation est vraiment très très importante. Ensuite aussi, il y a un réseau de 8 maisons d'urbanisme donc, qui sont sur le territoire wallon. Donc ces maisons de l'urbanisme, elles ont comme mission de sensibiliser, d'informer, d'organiser le dialogue, le débat et la communication par rapport à l'aménagement du territoire et l'urbanisme. En fait, le canal avec lequel ils font ça, c'est plutôt au niveau de la culture, au niveau de l'art et du loisir, donc pour toucher et sensibiliser un maximum les citoyens. Ensuite, de plus en plus, on a des appels à projets pour les groupements de citoyens. Donc ça, c'est des petits appels à projets qui vont donner des subsides entre 5 000 et 15 000 euros, donc pour des associations de fêtes. Ça, c'est des appels à projets sur lesquels j'ai travaillé. Ça s'appelle « C'est ma ruralité ou vit mon village ». Et donc, c'est les projets qui en découlent, c'est des petits aménagements plutôt de convivialité, les petites plaines de jeux, les potagers partagés, les fours à pain, c'était très à la mode cette année-ci. Enfin, plein de petites choses qui demandent un peu petit budget, mais qui permet aux gens de se rassembler, de participer. Voilà. Alors voilà, finalement, j'ai peut-être dépeint une vision un peu rose de l'aménagement du territoire et de la participation. Donc, c'était pour montrer, voilà, j'ai pris trois points qu'il y a dans le journal. C'est, ben voilà, les gens ne sont pas toujours contents. À gauche, voilà, c'était un débat par rapport à l'agrandissement d'un centre commercial qui s'appelle l'Esplanade. Donc, il y avait « Êtes-vous pour ou contre l'agrandissement de l'Esplanade ?» C'était dans ma commune. Donc, on a pu aller voter, dire oui ou non, je suis pour ou contre cet agrandissement. Et donc, évidemment, ça cristallise beaucoup de personnes. Les gens s'expriment aussi par rapport à ça. Voilà. Ensuite, au milieu, donc ça, c'est Bolsonaro, Pérou et même combat. Donc, vous voyez, c'est des terres agricoles les meilleures du monde. J'ai fini. Voilà. Voilà, les meilleures du monde. Et on veut construire une route, donc une déviation pour mener un zoning. Évidemment, ben voilà, les intérêts sont différents. Et puis, la dernière à droite, c'est Brugelette. Je vous parlais tout à l'heure du parc Péridesa, qui était une zone d'enjeu régional. Mais évidemment, les agriculteurs de cette zone-là, ils ne sont pas d'accord qu'on construise un zoo dans leur terre. Donc voilà, la participation, ça a du bon, mais ça ne sera jamais vraiment parfait. Voilà, je termine en vous remerciant pour votre attention. Merci beaucoup. Malgré l'heure avancée, on va peut-être prendre 3-4 minutes de questions parce que ces expériences, je pense, suscitent beaucoup d'interrogations. Moi, la question que j'aurais envie de vous poser avant que la salle pose éventuellement les siennes, c'est quel regard vous portez en fait sur les échanges auxquels vous avez assisté aujourd'hui, puisque vous avez assisté à toute la journée, je crois. Ça serait intéressant d'avoir votre regard sur l'évolution de la situation française. Déjà, j'ai été impressionnée par la multitude d'acteurs qui sont impliqués dans l'aménagement du territoire. Et ce qui m'a marquée aussi, c'est, je ne sais plus qui a dit, que vous vouliez donner plus de pouvoir aux communes, que parfois les maires, ils n'avaient plus rien à dire par rapport aux communes. Et moi, je vois qu'en région wallonne, justement, on veut vraiment pousser cette supracommunalité. Évidemment, la commune, ça n'a peut-être pas la même taille et la même implication en France qu'en Belgique. Donc voilà, c'était un peu, tiens, nous, ce n'est pas la même chose qu'on fait. Donc on marche en avant, vous reculez. Donc voilà, c'est un peu, je ne sais pas, façon de dire. Voilà.
Et bon, j'avoue que moi, tous les termes abréviés, je ne connaissais pas tout. Donc, c'est difficile un peu de voir quelle taille ça a, comment comparer par rapport à ce qui se passe en région wallonne. Mais nous aussi, hein, on a plein d'acteurs du territoire aussi. Mais voilà, moi, j'ai cité la trame simple. Et puis, évidemment, il y en a plein qui s'intègrent là-dedans. Voilà. Merci.